Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. C'est ma santa, benito, benito de ma santa. Partagez mes tasses de cœur, Inch'Allah. Ça va aller. D'abord, je commencerai par dire merci aux forces vives de Guinée et merci aux principaux partis politiques par rapport à toutes les activités que nous voyons actuellement là. Et ces différentes activités sont en train de payer parce que la communauté internationale s'est totalement braquée, focalisée sur notre situation. Alhamdulillah. De l'autre côté, nous déplorons aujourd'hui, nous avons appris l'hospitalisation d'un frère qui devait être rapatrié. Voilà, le frère a reçu une lettre qu'il devait passer devant les autorités, c'est-à-dire la délégation de Morissanda. Et malheureusement, le jeune a piqué crise, il a été hospitalisé. Mais malgré qu'il a été hospitalisé, selon les informations, il doit passer devant la commission, la délégation envoyée par Maurice Anda. Mais tout se paiera sur cette terre, Inch'Allah, Maurice Anda. Donc partagez. Mais nous allons partager des informations que nous avons reçues. Vous savez, hier, j'ai touché un peu sur le limousage de Boakarly. J'ai été appelé par son neveu aujourd'hui, par un de ses neveux, voilà, qui m'a tout expliqué. Parce que il m'a appelé, il dit, c'est pas pour protéger ou bien défendre mon oncle. Mais franchement, voici la vérité. À vous, M. Benito, de voir, merci, monsieur, frère Mamadou Sow, à vous de voir si mon oncle a raison ou bien il a tort. En tout cas, voilà ce qui s'est passé. Parce que jusque-là, il n'est même pas rentré, il a coupé le contact avec sa famille. Aujourd'hui, il se trouve à Dubaï. Il est parti à Dubaï, il est à Dubaï. Je lui ai juste demandé, ah, le décret, l'arrêté, le décret de Limoges ne l'a pas trouvé en Guinée. Non. S'il était en Guinée aujourd'hui, il serait arrêté par les proches du Doumbouya. Donc, partagez, nous allons vous filer cette information. Mais bien avant de commencer, s'il vous plaît, je vous dis bonsoir. Et je voudrais encore vous dire, ne vous inquiétez pas par rapport à Singleton. Voilà, Singleton, c'est devant le monde entier, c'est devant tout le monde. Nulle part, pour un département, je ne le connaissais pas, hein. Je l'ai dit, Singleton, c'est la dernière fois que je l'ai vu, en train de montrer ses champs de champs de maïs sans ton. Et j'ai fait ses éloges. Et il est venu chanter en nous insultant. Il a fait un poste, voilà. Il a fait un poste en disant qu'il s'amuse. Il a fait un poste pour dire qu'il s'amuse. Le poste est là. C'est lui qui l'a fait. Excusez-moi, je vais vous montrer le poste si je l'ai ici. Voilà. Voilà le poste. Vous avez vu le poste? Ça, c'est son poste. Il a dit ici, ma Guinée 224, ma santé Benito, Asilo King, les gars, faut pas me bloquer, s'il vous plaît. C'est juste un simple amusement, mes enfants. Écoutez très bien, c'est pour vous dire. Il a posté, il a tenté d'envoyer parce que sur l'autre compte, je l'ai bloqué. Vous comprenez? Parce que vous avez vu, malgré qu'il nous a insulté, moi, je me suis adressé au CNRD. Lui nous a insulté. Moi, c'est pour lui dire, je l'ai simplement fait comprendre que moi, je suis politicien, je ne suis pas un chanteur. Je ne suis pas un insultologue. C'est entre Doumbouya et moi. À ma connaissance, Doumbouya n'est pas son papa. À ma connaissance, Doumbouya n'est pas parent à lui. S'il veut faire Atalakou de Doumbouya là, il est libre, il peut aller. Mais de fait qu'il a chanté, aujourd'hui, pendant des répétitions, les gens sur TikTok là, c'est mon nom, c'est le nom de Damaro et de Agilo King. Maintenant, Fala Maïde, Singleton, moi je veux te dire la vérité. Ce que je veux te dire, Ntamba Santa Benito. Moi, je suis forestier, je suis konyanke, je suis métisse. Fekrena gata, ya sebeya la gata.
écrit, tu gardes. Sembe nibe to peut-être. Yangama sembe nibe. Tu n'as pas la force. Et bah, toi. Moi, Benitola. Et moussousa mantana. Et ta nouta. Tu ne peux pas. Mais en fait, que l'on fait, c'est bien à la gata. Moi, quand tu m'as insulté, j'ai arrêté le single. Et toi, fin du single, on va arrêter. J'ai arrêté, j'ai gardé. On va à la gata. Et ma connague. Mais comme tu t'es rendu compte que ta chanson d'injure, ça va se retourner contre toi, tu as commencé à avoir peur. Et bah, toi, mais il y a un peu de temps. À ce la gata. N'a fallait avant là, il y a des gens qui ont fait des vidéos pour insulter ma maman, insulter nos parents. Ils sont là-bas. Oulada était sur ma page tout de suite là. Je l'ai juste bloqué parce que. Les gens là ont insulté, ils sont fatigués. Mais il t'a engologué maintenant, tu nous as insulté entre les jambes. Mais bon, le temps, mon gars, il en combi, et mon baba est combi, et mon tenez combi. Ne bat ta gang, ne ça à côté. Ne mon combi, tu fais, ils sont à côté, et ne t'en bat ta gang. Ou me rende lire, ne bat d'oumbia et supporter, et bat ta gang. Ça, c'est mis de côté. Et t'en bat, fadé à cause. Mais la façon dont toi, tu t'es pris là, il y a des artistes qui sortent aujourd'hui pour dire qu'ils sont pas d'accord avec toi. Bah, Amérique, bébé, après, c'est tout, artiste, on dit que tu es allé loin. Ntam Benito ni sa manegeli. Asebeya la gata. Ni sa manegeli. Ni sa geli. Il geli la ba mané. Tu as vu Jan Oumpak. Tu as vu la réaction de Jan Oumpak. Depuis Koro a pas voulu montrer sa vidéo. Tu as vu la réaction de Jan Oumpak. Il a parfaitement raison. Il y a ce qu'on appelle l'image et le don. Et mon akolo, ça dit, tu ne connais pas ça. Et mon relikolo, et mon image, kolo. Takana Jean a pris sa photo, il a posté qu'il va participer à l'événement de Koya. Et pourtant, il n'a pas donné son accord. Et bah, réaction, tout. Anna a attendu. Moi, Naïra, aha, takana sa guéri, parce que takana tenen di barigabe, alou nanama. Ah, si c'était takana, takana sa mané guéri, parce qu'aba takana a image utilisée. Non, nanaki, tout le monde sait que c'est une réalité. Mais, intanan kombi, mi kombi, ya single, mais, CNRD, mire, ba na tongoute, ba fi dansera, sur TikTok, et fare boromara, iba ato. Tu as vu que ça commence à arriver à un niveau là, très dangereux. Et bien, il rapporte là-bas pour dire que tu es en train de t'amuser. N'ta mou bérifé. Pour toi, Seigneur de fait moudangi, fait amoudangi ma fait. Il faut prier le Tout-Puissant Allah. Que le Seigneur de reste toute leur vie au pouvoir. Ina me l'oroyo l'oro d'oumbouya balaba. Nagoro kola kem plainte sa mané klima. Et bah, je vais porter plainte. Mara bafé parce que je, m'enda fa manangé luna, non ma ludena. Men nara bafé, moi ma mas, n'ta mouybe, pom 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 mouybe, en d'abord mouybe, pom pom pom. Et non, anto, ne vois pas mon visage comme ça, mouybe, pom pom. Mouybe, pom 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 pom. Même mon troisième jeune frère n'a mouybe. Et bah, voilà. Ni image, ma sengre, ni rebera, ma tout. Il t'en en poste là-bas, il n'a rien vérifié. Voilà son poste, il n'a rien vérifié. Voilà ce que tu as dit. Et en poste, Naïki, il y a de cela 20 heures, tu as posté. Tu dis, les gars, faut pas me bloquer, s'il vous plaît. C'est juste un simple amusement, mes enfants. Il dit là-bas, René, il poste là-bas, et puis tu as affiché tout ça là. Tam, mbala falaibe.
Ntana falaibe. Wallahi billahi talai. Et ta nous ta. Nara kemane exprès, je ferai exprès. Na sokonakri. Ni sokomane, na gesou de mbaga manema. Na baga, ni soufou, ni benima, tant que autorité moufa. Et mon kolongo, tu ne me connais pas. Namba namba re ma semane be, nga fala ebe. Ntan, mori ma mounne, nga fala ebe. Khe ntan gourtare ebe. Inyanga ma yabore, ntan yabore ebe. Je ne dis, je ne, parce que les gens m'ont dit non, tu allais à l'école, il renri, il n'a pas dit ma, na sa mané à côté, il t'en kere. Il kere, ni so, faut autorité fa. Après, on va à la, on s'y gazandarmerie. Et pas payer, on passe à la justice. Faut retenir ça. N'a pas fait, n'ta mou bérifé. N'ta mi kombima. Non, mi kombima, mou bé falamanaki. N'a dumbuya, mon mari dumbuya golo gené. Et je le répète, dumbuya golo gené. Dumbuya baba golo gené. Dumbuya guiné, na baba golo gené. Idi Amin golo gené. Idi Amin baba golo gemé. Idi Amin ra guiné baba ibidin golo gemé. Amara golo gemé. Amara baba golo gemé. Eba ato, ita mara, parce que ana moun nenan tagi, neli tan sa refere, imu kombi. Nta nenan, parce que ana moun nenan tagi. Nta mi kombi ma. Giba ya kite golo gemé, aha guiné baba golo gemé. Eba ame, nana répété ma. Chaque fois, nous avons fait un débat quand on commence. Mamari Dumbuya Baba Golo Gemé, Dumbuya Golo Gemé, Dumbuya Nga Baba Golo Gemé, Gibaya Kite Golo Gemé, Ababa Golo Gemé, Pam 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 Amara Golo Gemé, Agana Baba Golo Gemé, Nebidin Golo Gemé, CNRD Bidin supporter les Baba Bidin Golo Gemé, CNRD Bidin et Bidin Baba. Ne rebirin sipo sede ne birin baba golo gemé aginedari ne baba birin golo gemé voilà sene de birin golo gemé e a supporté birin golo gemé ndara fa di sanson ak bire manema londe e souma e sa geli ntami tan kombima mirli fala ma fe mira miri kombima parce amuna on tagi c'est pas si tu as compris ni sa mané Gel ntan ni sa mané geli. Ousmane Gawabo, natan déjà, naha golo geme bala fende, naba funtu. Ousmane Gawal baba golo geme. Eba, Ousmane Gawal baba golo geme. Ntan mi kombima. Ntan. Et puis ni respecter ne, hein, moi. Ni a promotion na barane. Allez, avise na mené, na, tu fais les champs, et cultive la bama, et tant. Et mon loboré, n'a pas rané. C'est deux jours après, il fait un combi. Singleton, il fait un combi. Tu m'as directement insulté. Mais, m'a d'amener. Donc, c'est par rapport à ton poste là. Il n'a pas eu fait, n'a pas eu il n'a pas eu fait. Moi là, moudi fait. Et voilà, mais moudi fait. N'ta m'a gêné, n'doundou mané. Di CNR di adangi man anadangi feo. Na ma semye mori mamune. Mori mamun kolon. Mori mamune mbari pita. Mlabe la ba. Mkloche la ba liruma. Mfafa mamu mori mamune. Mmo mamu ha. Mmo mamu ha mmo. Manna vibin la ba mamu. Tout ce que inaham binin kolon. Enfance. Na binin ba mbalon bombo. Fais biri naraba mamou avec mes amis. Je suis resté avec mamou. Mamou kolo, c'est chez moi. Nana, à chaque fois, il y a ton mera, c'est moi, l'enfant de Petel. Mort Petel, c'est un quartier de mamou, n'a ma Petel, mort mené. C'est là-bas que j'ai grandi. Et voilà, mais. N'tan Dumbuya, il t'a trouvé à Angara Famina, B30, mou défendant, mou causement. Il a mouton, mou doron, mou causement. C'est la famille de sa maman. Nta mudumbuya baba kombima, ma anga kombima. Nkonse na fima angama. Paske nga nara.
Et bah, tout. Mais, il t'en a fait un combien dans l'ascension. Il crée. Il t'en a fait un métis n'entendant. Je suis mélangé, une. Alors, on a la barre une tambe. Mon yoma ravi choisi. Ibari rené. Voilà. Ibari rené. Yato. Ingana iki. Ibabana iki. Donc, toi, tu es né. Personne n'a choisi ses parents. Ibarato. Mamoum. Na, t'as dit. Ibara fala yourtari. Mais je voudrais que tu t'informes. Mbore na men. Mounere mon mamou. Mouge mane balon bombone, moubore bombo, lope meni. Ube mouna si akimbeli, mouna ge balon bombone, moubore bombo. Bulbine meni, natere raima meni. Tadi mounoma, poudre. Tadi, tu penses que yurtari, imu hurtari. Sengleto imu hurtari. Nama semi be. Eba bou mire kombila, hein? Minga kombima, mi baba kombima, mi la famille yo kombima, men. Na itanuta on a signé na sakpa ntamin me kere nan tan kombe amma me kombi jadi ala page mabe mais mon on a juste ouais jali j'ai c'est mon jeune frère j'ai eu pitié de lui parce que on peut-être un homme a débarabade à Doumbouya sipo moi je suis d'accord tous ceux qui supportent Doumbouya ntané. Je le respecte. Nanamfala. Et Doumbouya a supporté. Ça, c'est ton choix. Mfa namma kutika. N're bira ba naki moumboure masoto. Moulou nakine. On est resté comme ça. Chacun est dans son coin en train de défendre. Djodjoubate, oui. On était avec les Bassala, Denison, les Bassala, Djodjoubate, tout ce qui là, ouais. Donc, mbala daibé meni. Et voilà, mais. Voilà. Moi, nous préférons nous régler. Et t'en singleton. N'est relé, n'a pas la voix, m'en sert la barre. Ingria, voilà, maintenant, grand, ou bien à toi, et oui. Mais, remisa guéli. Et mon colongo, remisa guéli, singleton. N't'en pénito. Remisa guéli, n'en tout, la Guinée. A falam de bâtard, n't'en a falabé. Il faut annoter ni ça manegeli parce que mi nga kombi mi baba kombi mi ra mi yo kombi et sans son na baba fini sigla TikTok mi nda nana sambarma mais mon nom rapide mais je vais te montrer ce qu'on appelle l'éducation voilà donc il y poste na iki moi je rejette ça c'est pas un musulman je te pardonne pas et ben amen voilà donc excusez-moi, je voulais préciser ça parce que c'est, il a posté pour demander, il dit qu'il s'amuse. Il dit que lui s'amuse, il nous insulte, les gens sont en train de partager, chanter avec ça. Il dit qu'il s'amuse, lui il s'amuse. Il n'y a pas de, il n'y a pas de problème. Donc, chers frères et sœurs, moi je pensais que l'affaire de Boakar Lee et Doumbouya était une petite affaire. Mais, j'ai été appelé par un des neveux. Parce que, dans cette situation de transition-là, chacun veut défendre son parent. Mais comme il m'a entendu parler de Boakar Lee, il a essayé un peu d'éclaircir certains passages, ce qui s'est réellement passé. Il m'a envoyé les photos, il dit voilà ce qui s'est passé. Il dit c'est mon oncle. Je ne sais pas si tu es informé qu'il n'est pas en Guinée. J'ai dit oui, on me dit qu'il n'est pas en Guinée. Moi-même, j'ai vérifié, on dit qu'il n'est pas en Guinée. Bon, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. C'est un problème d'argent, un problème de entre 10 à 20 millions de dollars. C'est ce qui s'est passé entre Boakar Lee et Doumbouya. Le problème d'argent. Mais lorsqu'il m'a expliqué et lorsque j'ai appelé pour m'informer, j'ai automatiquement donné raison quelque part à Boakar Lee. Même si c'était moi. Les gens piochent, ils volent. Une occasion se présente, je vole moi aussi. Parce que nous ne sommes pas dans la légitimité, dans la légalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant que Doumbouya n'aille en Chine, vous savez que Doumbouya avait empoché 99 millions de dollars.
C'était la caution payée par une société minière pour être additionnée aux sociétés qui ont été retenues pour le ciment. Louis Bakali, il est conseiller de Doumbia en même temps. Il fait partie de l'équipe qui gère les mines en Guinée. Le patron des gestionnaires des mines en Guinée, c'est Guy Badiakité. Mais, même si c'était moi, honnêtement, comprenons-nous, les 99 millions de dollars ont été empochés par Doumbouya. Mais qu'est-ce que Lee a eu comme information? Doumbouya a donné Ahmed Dubaté. Ahmed, frère, ok. Doumbouya a donné un peu, a donné à Guy Badiakité, il a donné à Thierry Madouba, il a donné aux autres. Et voilà ce que lui aussi il a pris. Comme il était dans le programme d'aller en Chine, Louis Bakali, arrivé en Chine, il a négocié des contrats par rapport à Simando. Et André Lamousso Brebet, ça c'est la première dame. Bintou Kali a dit une fois, comme a dit ma chérie, Niokedo, j'espère qu'il va très bien. Est-ce vrai? À ma place, j'aurais réagi de la même façon. Hein? Kanté Oumara a dit, l'un des plus grands professeurs de France, respect à toi. Donc, parce que c'est un groupe de voleurs. Le groupe de voleurs là, dis donc, Ori Babo, chacun prendra sa part. Hein? Parce que ce qui me plaît, dans l'analyse même, dans les explications du frère, lui-même il dit que Benito. Toi et moi, nous savons très bien que nous ne sommes pas dans un régime légal. J'ai dit, ah bon, mon frère? Il dit, oui. J'ai dit, toi, tu as le badge, tu as le passeport diplomatique que tu as obtenu à travers ton oncle. Donc, toi, tu sais que vous n'êtes pas dans un régime légitime. Et toi, tu veux que je te croie. Hein? Toi, tu veux que je te croie. Il dit non. Et puis, tu penses que moi, je vais défendre ton oncle. Parce que Bakali a dit devant le monde entier que Dieu l'a envoyé une lumière qui va remplacer Doumbouya. Tu te rappelles? Hein? Mais là où nous sommes comme ça. Hein? Là où nous sommes comme ça. Moi, je le répète, nous parlons de la Guinée. Je ne sais pas si toi et moi, on va se comprendre. Actuellement, je ne parle pas de la politique. Je suis RPGiste. Dans l'âme, dans la tête. Voilà, c'est écrit sur mon corps RPG. Merci beaucoup, Bouba Samson. Merci, frère. Mais, pour le moment, là, je l'ai dit à qui veut l'entendre. Si tu veux travailler avec Benito, parlons d'abord de la récupération de la Guinée. Après, nous parlerons de la politique. Mais pour le moment, là, moi, je parle que de la Guinée, de la récupération de la Guinée, et ce qui concerne la Guinée. Voilà le problème qui est entre ces anciens escrocs, soi-disant RPGistes, que notre chef d'État, le professeur, le président, est venu à travers son document qu'il nous a envoyé, que nous avons publié, qu'il est toujours à la commande et il sait qui est en train de fausser nos espoirs et ceux qui sont en train de nous mettre les bâtons dans nos pieds à Kabelo. Depuis que nous avons reçu cette lettre-là. Vous avez vu l'enthousiasme dans les sièges du RPG, de Zéro Corée à Sigrin, de Sigrin Cancan, vous avez vu Conakry, c'est qui s'est passé à Conakry. Car donc, plus de 3 heures, nos mamans, nos tontons ne se sont pas retrouvés en train de danser seulement. Parce qu'en bras long, Kafo, jusque-là, nous sommes comme ça, là, nous avons des têtes, pas une tête, des têtes. Et Bakali est arrivé en Chine, quand il est parti en mission en Chine, il est parti négocier, il a signé tous les contrats. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a une petite compagnie qui veut sa part de marché dans Simandou. Parce que tout le problème, c'est Simandou. Simandou là, c'est Simandou ou Simandou. Montrez-moi, il n'y a aucune activité dans ce pays qui peut rapporter de l'argent. Il y en a pas. Montrez-moi, quelle activité? Aujourd'hui, le chef du gouvernement était en partance sur Kindia.
Il était obligé de se retourner parce qu'il y a eu éboulement, selon il y a eu éboulement. Nous avons été surpris d'écouter le fanfaron, le chef d'état-major bis, qu'avec la création des bataillons partout en Guinée forestière, en Haute-Guinée, que la sérénité est revenue dans la cité. Il n'a rien compris. Donc, M. Bakali est arrivé en Chine, il a négocié. La société qui voulait participer au partage familial de Simandou a demandé au conseiller du président de la transition, le chef de la junte, qu'il veut participer. Et voilà, lui, Bailali, au lieu de faire le retour à Doumbouya, qu'il y a une compagnie qui veut évoluer tel, qui veut faire ça dans Simandou, il a négocié au nom de Doumbouya. Ils ont fait les documents tout. Les gens là lui ont remis une enveloppe. Ils l'ont remis une enveloppe, mais moi je ne croyais pas, hein, parce que le montant cité là, Halibanya la Kouassi de l'Anda Fokono, tu n'as pas. Comment on peut se donner un chèque de plus de 10, de plus de 15, parce qu'on parle de 20 millions de dollars. Je dis non. Et quand j'ai appelé mon informateur au palais, mon médecin, comment Bakary d'un coup comme ça a été enlevé. Celui qui dit non. Il dit qu'on il appelle le vieux Kenny. Hein. Il dit qu'on Kenny Kamenke. Aïka Wori le Douaboulou. C'est-à-dire qu'ils l'ont remis de l'argent en Chine là-bas. Qu'on a dit Mardi. Vous savez, tous les éléments des forces spéciales appellent Mamadi Mardi. C'est son nom, ça Mardi. C'est-à-dire un bon malinqué, on l'appelle Mardi. Le raccourci, quoi, Mardi. Aïka Wori le Douaboulou, quoi, a dit Mardi. Quoi, Jeli, quoi, 20 millions de dollars. Oui. Quand Doumbouya est parti en Chine, parce que Doumbouya devait le trouver là-bas. Doumbouya devait le trouver parce qu'il a dit à Bakary, tu m'attends là-bas, on revient ensemble. Au moment où je vous parle comme ça, le gars est couché à Dubaï. Tranquille. Il a viré l'argent sur son compte à Dubaï. Donc Doumbouya est arrivé en Chine. On l'a montré des usines, des partenaires, tout ça là. Maintenant, il a été approché par le chargé des relations extérieures de des affaires étrangères de la Chine. Pour dire à tel qu'ils l'ont fait le compte rendu. On dit, j'espère que vous avez apprécié l'enveloppe qu'on vous a donnée. Doumbouya, vous savez, c'est un faux militaire. Il dit, ah, quelle enveloppe? Ah, voilà. Oh, mon frère est intelligent. Bouba, tapez d'eau. Voilà, c'est tapez d'eau. C'est le gars-là, maintenant, mon informateur, c'est lui qui m'a dit, il dit non. Doumbouya, il dit qu'elle avait dit non, on a remis l'enveloppe à votre conseiller. Maintenant, les autres là, Guy Badiakité, lui, il parle. Guy Badiakité dit, ah, comment vous avez fait pour obtenir les documents, les accords? Il dit, ah, il nous a fait signer les accords. J'ai dit, ah, oui. Et c'est vrai, hein? Il a dit qu'il peut signer parce que c'est le conseiller, tel, il a montré des documents, il fait partie de la commission mine des priorités préparées. Vous savez, il y a un organisme qui est logé au PM5 qu'on appelle les priorités présidentielles. Et donc, il a tout. Hein? Il a tous les documents qui me prouvent qu'il est bon. On l'a donné l'enveloppe. On dit combien? On dit là. Hey. Ah, Doumbouya a pris le téléphone. Il a appelé à Conakry pour dire de le limoger. Maintenant, vous savez, c'est des gens qui sont extrêmement intelligents. Parce que la même personne là, hein? La même personne qu'on appelle Bakary, nous sommes tous au courant, on sait ce qui s'est passé entre lui, il est poursuivi au Sénégal. Parce que vous avez vu le poste de Kounduna aussi. Kounduna a régné parce que nous avons, c'est-à-dire pour rappeler à Doumbouya, tu ne peux pas être surpris. Est-ce que vous voyez? On dit,
Vous laissez Doumbouya tranquillement, s'il vous plaît. Ça... Et puis, il dit ça, pouvoir à vie, vivre la Guinée pour la... Regardez, attends, excusez, je vais l'aider un peu. Excusez-moi. Donc, il a signé tous les documents, il a fait en son nom, on l'a remis le chèque, il a viré sur son compte. Il a viré sur son compte. Et voilà, le gars est parti, voilà mon frère Imurana. Il est parti en Chine, on dit bon, on l'a donné l'argent et c'est fini. Parce que c'est la deuxième fois que le monsieur échappe. Bailani là, c'est la deuxième fois au Sénégal. Et cette fois-ci avec Doumbouya. Et puis ce qui est intéressant, allez-y fouiller dans tout qu'on a créé, si vous allez trouver, si par hasard quelqu'un va vous dire, voilà la famille de Bailani. Je ne sais pas comment il s'est arrangé. Personne n'est à Conakry. Moi, j'ai rappelé son neveu là. Il n'a pas pris. Hein. Je l'ai laissé un vocal après, il m'a rappelé. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, il s'agit de plus de 20 millions de dollars. Et pourquoi, permettez-moi de féliciter Boakarly. Moi, je le félicite. Parce que même si Boakarly remettait l'argent à Doumbouya, l'argent n'allait jamais arriver dans les caisses de l'État. Au moins, nous savons que Bailali a pris de l'argent au nom de la Guinée. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il a pris de l'argent au nom de la Guinée. Donc, le juge sera à Conakry. Les documents font foi. Il va aller en prison. Donc, M. Bailali, au moment où je vous parle comme ça, détient l'argent de la Guinée. C'est ça aussi la chance de la Guinée. Voilà pourquoi je ne condamne pas trop ce qu'il a fait. Et puis je le supporte parce que quelque part, il sait très bien que l'argent qu'il a pris, il peut le consommer à vie. Mais le juge va planter ses pieds à Conakry, c'est que c'est directement à la justice. Il le sait. Donc M. Bailali, ce que je voulais rajouter sur ça, vous devez savoir que vous pouvez coopérer avec nous, collaborer avec nous, nous donner les informations à travers votre neveu par rapport aux transactions financières liées au Mont Simandou. Nous n'avons pas beaucoup d'informations par rapport à Simandou. Il paraîtrait que ce n'est pas la peur aussi d'avoir pris les 20 millions qui font peur à Doumbouya. Le problème, c'est que vous êtes assez informé, beaucoup, c'est-à-dire que vous avez tellement d'informations sur les transactions financières au PM5, aujourd'hui, Doumbouya est totalement perturbé. Il a fait un crochet, il devait rentrer à Conakry aujourd'hui, vendredi, il a fait un crochet en Inde. Donc, mon cher tonton, faut nous aider. Faut nous aider, parce que les 99 millions de dollars... Ça fait très mal à Doumbouya le fait que les informations ont été diffusées sur la toile. Et ça, là aussi, c'est que ça va lui faire très mal. Vous comprenez? Donc, et en même temps, nous félicitons, moi je le dis, hein, voilà, nous félicitons M. Bailali. Voilà. Parce que là où je vous parle comme ça, monsieur, vous détenez l'argent de la Guinée. J'insiste, parce que l'argent de la Guinée, c'est l'argent de notre pays. C'est une chance pour notre pays, de fait qu'on vous a donné le chèque et vous l'avez empoché, parce que nous allons le récupérer. Et je voudrais dire à monsieur Maurice Anda, parce que Maurice Anda, à travers le chef de la diplomatie, parce que c'est son travail. C'est comme ça qu'il a tué Sadiba. C'est comme ça qu'il est en train de rapatrier nos compatriotes qui vivent en Allemagne, Maurice Anda. Il paraîtrait, lui il a dit à Doumbouya qu'il peut gérer cette affaire en passant par la diplomatie. Mais Maurice Anda, voilà le monsieur aussi, c'est-à-dire, Neman Lomouikou, le Maurice Anda, qu'est-ce que tu en veux au Guinée? L'affaire de Lee aussi, tu as pris ça, Ibrahim Okela, parce que tu as vu Lee là,
Il est capable de négocier avec Doumbouya. Il est capable. Le gars-là est capable de négocier avec Doumbouya. Wallahi bilatalai. Il est capable de négocier avec Doumbouya. Tellement, je ne sais pas si tu le connais très bien. Et rapidement, là, on me fait comprendre que toi, Maurice Sanda, à travers les affaires étrangères de la Chine et Abu Dhabi, mais ça, c'est les Arabes, hein, c'est les businessmen. Parce que là, il va mettre l'argent à Dubaï. Si l'État a 40% dans cet argent-là, vous ne verrez plus la couleur de cet argent. Les Arabes ont besoin de suffisamment d'argent pour investir suffisamment dans le pays. Ils ne sont pas contre les investissements dans le pays. Maintenant, on attend parce que les informations viendront jusqu'à quel niveau tu t'es engagé à récupérer cet argent. Parce que monsieur Bong, monsieur Leshbot, le numéro, c'est-à-dire le boss de Leshbot de Doumbouya, Maurice Sanda, tout ça là, c'est pour conserver ses petits postes de ministre d'affaires. Franchement, c'est pour conserver ses postes des affaires étrangères. Sinon, Papa Fofana, c'est aux États-Unis ici. Il a son lot. Il a même américain. Il a lot. Les crédits qu'il a déjà. Comment il s'appelle là? Comment il s'appelle le gars? Sidiki Bamara. Il a lot. Il est poursuivi. Juste. Bailali, il était poursuivi. Toi-même, Doumbouya, tu étais poursuivi. Juste. Parce que donc, qui n'est pas poursuivi autour de ça? Peut-être c'est Amara. Amara aussi, non, Amara aussi est poursuivi par les Américains. Margot, comment ça se passe? Comme il a un pas, sinon lui aussi, il a été cité au temps de l'ancien Conté pour être dans le groupe des vendeurs de drogue. Lui et Amara. Qui n'est pas dedans même? Tiens Madouba là aussi, est dans les affaires louches. Il était poursuivi au temps d'Alpha Conté. Tiens Madouba. Maintenant, qui d'autre? Ah, nous connaissons alors, Joye, même poursuivi. Donc, en remerciant, comment il s'appelle, le monsieur là, vous avez vu, il a été, là, voilà, nous allons résumer ça, les infos, voilà le monsieur. Il a été limogé parce que il a dénoncé les difficultés dans lesquelles il travaille dans la sous-préfecture. Mais, tu sais qui me suit, il y a un escroc du RPG Arc-en-Ciel, un ancien escroc, tu as été remercié aussi dans un département. Même pas Molé Kassela la Koro. Parce que lui-même, il est venu dire que Dieu merci, Kotre Abrabouakan. Kotre Abrabouakan, Kotre Abrabouakan, parce qu'il y a trop de stress. Tu ne peux pas nous dire. Hein? Toi, tu ne peux pas nous dire que c'est trop. C'est trop stressant de travailler avec le Sénégal. Tu étais avec le professeur Fakonde. Tu as été attaché de cabinet. Tous les anciens attachés de cabinet, Fakilin, Kilin, Bi. Mais, Akilin, Kilin. Même au Sénégal, quoi. Tous les attachés de cabinet au temps d'Alpha Condé, Akilin, Kilin. Donc, ne te casse là, moyen, on te finque là. C'est regrettable que ce dernier soit limogé par le DPS. C'est regrettable. Au babo à la fin, Ayaketou, on va aller rapidement. Excusez-moi. Nola Kalia. Rapidement. Parce que voilà, hein. Regardez-les. Parce que quelqu'un a posé ça, il dit, ah, qui le tour? Allez, l'été. Allez, l'été. Ibrié. Ça a des mignons sinafiés, quoi. Regarde-toi. Regarde-le. Ni meilleur là. Donc, il y a là-bas même. Queen. Malon Koblami. Non. Alors, nous, où j'ai mis ça?
D'accord. Non, laisse ça, prochainement. Donc, on se reprend demain, Inch'Allah. Voilà. Portez-vous bien, on se reprend demain. Voilà. Bonne nuit, on se reprend demain, Inch'Allah. Donc, portez-vous bien et courage au Sud national de Guinée.